Au moment de présenter une initiative, un projet, une idée, combien d'équipes perdent-elles un temps précieux simplement parce qu'elles ne savent pas sur quel pied danser avec leur manager? Bonjour, Jean-Luc Udry, conférencier en optimisme opérationnel. Quel est le problème et l'objet de cette vidéo? Eh bien, c'est d'avancer 5 fois plus vite avec vos équipes en leur fixant une règle simple qui est presque une valeur. En effet, dans notre entreprise, nous avions un peu le même problème. Quand on voulait proposer un sujet, une initiative, un projet, les équipes attendaient le bon moment pour sauter sur leur manager et penser et prier en espérant qu'il soit bien luné pour qu'il puisse valider le projet. Les conséquences étaient doubles. D'une part, ça prenait un temps fou. Ça prenait un temps fou d'attendre que le manager soit là, disponible, bien luné et qu'on puisse lui proposer un projet qu'il valide. Et d'autre part, on perdait en efficacité, en énergie, en motivation. Alors, quelle est la solution optimiste? Et quel est le moyen de résoudre ce problème? D'avancer 5 fois plus vite. Eh bien, voici un principe managérial simple, érigé au sens de valeur. Par principe, je vous dis oui. Oui, ya, da, et ainsi de suite. Et si je vous dis non, c'est que j'ai une excellente raison de vous dire non. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que par principe et dès le départ, vos équipes savent qu'elles sont en capacité à proposer des choses et que par principe, vous allez leur dire oui. Bien évidemment, il s'agit que votre projet tienne la route. Il ne s'agit pas d'aller organiser un séminaire ou une conférence sur Mars. Mais si votre projet est réfléchi, bien conçu, s'il tient la route, par principe, c'est oui. Et si l'on vous dit non, alors c'est que n'insistez pas. Nous avons une bonne raison de vous dire non. Et ainsi, tout le monde y gagne. Vous gagnez en confiance, en autonomie, en responsabilité, en efficacité et en temps. Et c'est la raison pour laquelle vous avancez 5 fois plus vite. Retenez ce principe, appliquez-le dans votre réalité. Par principe, on vous dit oui, le plus souvent possible. Et si on ne peut pas, c'est que vraiment c'est non. N'insistez pas, on passe à autre chose. Voilà, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur ce sujet? Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et là, vous avez une petite cloche. Cliquez dessus et comme ça vous serez informé dès la sortie d'une prochaine vidéo d'optimisme opérationnel. Et puis pour aller plus loin en conférence, contactez-moi, conférence sur mesure, avant, pendant et après. Merci et à très vite.